Les adversaires nous ont pris de haut, quoi. Ils pensaient nous régler sans faire les prolongations, puis ils se sont trompés. Tant pis pour eux. C'est Serge Rubis dans un café. Dans un café. Fait ça. Oui. Voilà. Après, bon, ça, il faut voir avec les dirigeants pour qu'ils vous expliquent mieux. Mais nous, après les matchs, on vient faire l'apéro aussi. Là, j'ai dit, je n'étais pas moi l'entraîneur, mais j'ai dit, je m'occupe de l'équipe réserve. Maintenant, on est allé manger ensemble à Montferrand-Savès. Je leur ai dit pendant tout le match qu'il fallait se battre. Et après, on va au vestiaire, 1,5 litre d'eau de vie. On s'est partagé. 1 litre de l'eau de vie, de l'eau de vie, ça chauffe. Et après, le match. Alors là, les types, tant qu'il y en avait, tout ça à terre. On a descendu arbitre et joueur. Ouais, on a vu une équipe de paysans galopés. Pas de rugbyman, de paysans. C'est dommage quand tu balances tant d'énergie pour perdre un match à la fin. On va les rater les matchs. Dommage, on a toujours les boules après. Le plus beau des titres, c'est celui de 4e série, quoi. On sait qu'il n'y a pas d'argent, on sait que les joueurs, on est prêts tous là à se payer même les maillots, il n'y a rien quoi là, il n'y a pas de frais, c'est vraiment celui-là là, quoi. Le titre suprême, c'est vraiment celui-là. Quoi. Ah bon, ce qui me fait rigoler, c'est quand je vois femme qui joue au rugby. Quand je joue au basket, quand je fasse la natation, quand je fasse l'athlétisme, je viens, mais pas au rugby. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine. Ben non, le match est fini, c'est tout. C'est propre au rugby ça. Mais on se met. Enfin, des fois, on ne s'embrasse pas quand même. Hein. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on se respecte, on mange tranquille. Voilà. Et oui, voilà. C'est un joueur adverse qui, à un moment donné, nous en mettait un peu. Et j'ai essayé de... Voilà, mais j'y suis pas arrivé, c'est moi qui me suis fait calmer, c'est le diamant. Il faut suivre toutes les actions, et ça va parfois très vite. Hein. Alors, il y a du changement ou quoi? Elle a la vie de douche, pour un peu. Et lève le drapeau quand c'est le moment. Tout à l'heure, tu l'as pas levé. Hein. Là, tu l'as levé, connard. Un pilier un jour lui a dit: je t'ouvre la tête comme un livre. Et Trinini lui a répondu: à quelle page? Et à chaque fois. Aujourd'hui, quand même, les vertus qu'on représentait l'équipe de Liège-Jourdain, j'en suis fier. Sang et or, c'est pas rouge et jaune, c'est sang et or. C'est qui progresse, quoi. C'est là, et ils veulent jouer à une, mais ils ne savent pas faire une passe. Une jolie passe, je parle. Eh oui. Aujourd'hui, on achète des gens comme on achète des bêtes. On les monnaie, comme on dit. Il est bon, il vaut des sous, mais des fois, ça peut décevoir aussi.